Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canet avec vous pas. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, continue l'aventure du jeu The Walking Zombie 2 Live, la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ah oui, 55, toi.
Qu'est-ce que tu bricoles ici? Je veux juste prendre un truc. Je veux absolument rien apprendre.
Merci de m'avoir libéré, mais je ne sortirai pas d'ici sans une arme. Ouais, flingue pour que je puisse me protéger, ouais. Savoir s'il y en a pas dans le bureau. Ça devrait faire l'affaire, passe devant, je m'en occupe. Salut, elle est où l'entrée de la salle de stockage souterraine? L'abri tout entière est en salle de stockage souterraine. Arrête de te prendre pour une bille, je parle de la salle de stockage qui mène.
J'ai jamais entendu parler de ça. Demande au technicien dans la salle des caméras. C'est le vieux qui voulait me laisser entrer la dernière fois. Ouais, j'espère que ça sera plus facile ce coup-ci. Putain, j'ai failli me chier dessus. Qu'est-ce que tu bricoles ici? C'est... Ça c'est pratique, mais bref, je cherche la salle de stockage qui vient au tunnel. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Au premier étage, il y a un vieux passage, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas été servi. Je vais quand même aller vérifier. Je voudrais bien m'attendre quand j'aurai fini que ce que j'ai commencé. Je ne mènerai pas le temps. Ça, on verra ce que je trouverai là-bas. Doulidou, what's up? Comment ça va? Oui, l'ancien passage. Il y a beaucoup de preuves. Suivez les patates.
J'ai pris la main dans le sac. Viens d'où, mon cher ami? Je savais que ce moment viendrait. C'est fini, le vieux. C'est toi, le fantôme. Tu voles les provisions dans la salle de stockage et tu fais peur aux gens du coin. Bahut, vermisseau. Vous voulez prendre un truc que pour moi et donc je leur faisais peur et personne n'en aurait rien su. Tu n'es pas venu y fourrer ton nez. Le petit truc, tu t'es plutôt bien rempli les poches. Ne refais plus jamais ça. En guise de peine, tu seras désormais l'homme de ménage du tunnel. Le problème, c'est aussi le tien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je rendrai les provisions. J'essaierai de les aider. À plus tard. Tu viens d'où, mon doulidou? Tu joues à quel jeu, principalement? T'as réussi, c'est fait. Si le technicien pose problème, je m'occuperai de lui. Quoi d'autre? Merci énormément pour ton aide à ces temps si difficiles. Que Dieu te protège, notre héros. Alors, c'est fini du gâteau. Merci pour la carte, mais quelque chose de très désagréable est arrivé. Le technicien qui est allez vérifier le coffre, a découvert qu'il avait été dévalisé. Il y a une caméra dans le coffre-fort. Va à la salle de données dans l'abri souterrain et regarde l'enregistrement de la caméra du coffre-fort. Découvre ce qui s'est passé. Alors, c'était du gâteau. Merci d'avoir sauvé mon ami. Je lui ai parlé du Yeti et dit qu'il nous faudra un fusil à balise et des munitions qui vont avec. Vous devrez pouvoir trouver ce matériel au centre spatial dans le secteur où ils font des tests sur les animaux. D'accord. Toujours là, Douridou.
Là, c'est le moteur dans la caisse. Doulidou. Thank you.
Allez au garde réunion. Dégage. Vous les jeunes, vous venez et quand vous avez besoin de quelque chose, je te parlerai. Je te laisserai pas entrer. Espèce de vieux dingue, tu fais une grosse erreur. Hors de ma vue. Ben voilà. Bonjour, comment ça va? Il y a un vieux dans la salle des caméras qui veut pas m'ouvrir la porte. Va à la chaufferie au premier étage et mets le chauffage, ça devrait le faire sortir. Thank you.
porte est maintenant ouverte. Bienvenue sur le terminal d'enregistrement. Copie les bases de données des enregistrements de ce biosec. Copie les derniers, lire entièrement. En amour. Alors, c'est fait, c'est épique. C'est impossible d'après la description, c'est Freeman, notre technicien, c'est lui qui garde le coffre-fort. C'est lui qui l'a dévisalisé, pourquoi? On va le voir pour savoir ce qui l'a poussé à faire ça. C'est fini, on a l'arme et la munition. On n'a plus qu'à trouver l'appât qui attire à coup sûr le Yeti, il est très timide. J'ai des habits de camouflage spécial pour toi. Va avec mon ami, tire-lui dessus avec la balise. Le moteur, on a tout ce qu'il faut. On peut présent rajouter les pièces que j'ai trouvées. C'est parti. Prenez les pneus. Hey Derek, comment ça va mon Derek Master? Le moteur. Comment ça va? Éliminer la zone. Pas un institut. Ah,
talent. Qu'est-ce que tu joues à cette heure, Derek? Derek faisait mes vidéos, ça? Bon, esti. Mon Derek qui faisait les vidéos. Et voilà. Je vais lui faire passer un test. Bonne idée.
La conducteur. C'était une excellente voiture. Merci pour tout, je vais beaucoup l'utiliser. Fais attention à toi. Bon. Refuge des voleurs. Je suis pris là, tabarnak.
What's up, Mindcrime? Salut, Mindcrime, comment ça va? Et donc, j'enquête sur le vol des provisions du coffre-fort. Qu'est-ce que tu en sais? C'était moi, mais je ne voulais pas. Ils m'ont forcé à le faire. Qui t'a forcé? Les bandits de l'hôtel de montagne. Ils m'ont menacé. Quoi d'autre? J'en suis sûr que c'est les provisions sont là-bas. D'accord, je voudrais jeter un œil au coffre-fort pour voir qu'il a été volé. C'est pas possible pour l'instant, on a une panne de courant, bordel. Pas grave, je vais réparer ça. D'accord, c'est sûrement le poste de transport à la surface qui pose problème, merci. Allez, descendez dans l'ascenseur. Thank you.
La table est courant. Merci, le coffre est juste à côté du buffet. Merci. Le code est 1111. On a beaucoup de la fait voler. Je vais finir cette extrême tan.
Brisé déjà. Réussi. C'était tout pour l'aventure du jeu. The Walking Zombie 2, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!